Festi Rock Challenge. Ah, okay. Veux-tu faire le même intro que tantôt? Lequel? Hein? 1, 2, 3, go. Allô? Yo! Yo, 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 bonjour, bonjour. C'est Rouge Pompier. Yeah! On a des concerts. Oui. On aimerait ça vous les partager. Premièrement, joyeux anniversaire et joyeux 10e anniversaire de Kevin Bacon avec un K. Oui. Il y a 10 ans, on était exactement au même endroit en train de jammer les tunes avant que l'album sorte. Ouais. On a des archives de ça quand on jouait à l'Abreuvoir. Hein. On a des archives de ça. Quelques archives, très peu. On a la bannière ici. Pliée à quatre portes. Mais oui, mais je suis là. Nice. Ça, c'est dans nos archives, ça. Et boy, ouais. On vous le dit pas, mais on va peut-être la ressortir. Ouais. Sauf là, on va être obligé de la replier. Ah, fuck. Avez-vous remarqué, notre logo, là, c'est pas la tête de Kevin Bacon, mais quand on l'a mis sur la pochette de l'album, là, on a remplacé ce bout-là par la tête de Kevin Bacon. Fait il y a comme deux versions de ce logo-là. Il y a la version logo de Rouge Pompier, puis il y a la version comme pochette de Kevin Bacon que là, t'as la face, là. Parce qu'à l'époque, on s'est dit, ça va toujours être ça, notre logo. Sinon, on n'est jamais resservi. On s'en est servi juste pour cet album. C'est la maman du run! Non, c'est pas ça. On voulait vous parler de concerts. Oui. On a des shows qui s'en viennent là, là. Là, on est le 9 août, présentement, la journée qu'on fait cette vidéo-là. On a un show le 20 août à Baie du Five. Puis on a vérifié tantôt sur Google Maps. Que c'était où? On n'a aucune idée de c'est où. On n'est jamais allé là. On a peut-être même jamais passé par là. Je confirme que non. OK. Mais on sait que c'est comme sur la rive sud, entre Sorel et Tracy. Sorel et Tracy. Entre Sorel et Trois-Rivières. Puis là, il y a un show à Baie du Five le 20. On est avec Capitaine Révolte. Nice. Puis là... Je peux pas en dire plus, j'en sais pas plus, mais dans les commentaires, je vais vous donner de l'information, je vais en trouver, je vais mettre ça là. Fait que si t'es dans ce coin-là et tu veux voir un show de Rouge Pompier avec Capitaine Révolte, c'est possible. Ça, c'est ça dans... La dernière fois qu'on a joué avec eux, c'est ici à Verdun, juste là, là. Dans le parc, il y a une Saint-Jean. C'est malade. Saint-Jean, c'est super cool. À trois pieds de notre local, là. C'était malade, ça. Ah, c'est vrai, on est venu ici pour aller à pied. C'est ça, genre on pouvait rouler le gear jusque sur le stage. C'est vrai. C'était malade, ça. Après ça, le prochain show, c'est le 27. 27 dans mon hood à Saint-Colomban. Là aussi, tu peux rouler ton gear. Ben non. Non? C'est loin, mais... Mais c'est loin, genre tu pourrais te pogner un bike, là, mettons. Après le soundcheck, on peut aller à la maison. Nice. Mais tu pourrais aussi aller en bike de chez toi? Oui, mais ça serait... Quand même une ride. Une bonne ride. Ah, ok, ok, ok. Bonne ride. Donc Saint-Colomban le 27, et ça, c'est dans le cadre du Festi-Rock. On est avec Mute, The Lookout, puis plein d'autres bars. Darkest Days. Alors, ça t'a venu déjà un blanc de toute la liste des Cal Blitz. Il va mettre une liste là, juste là. Ouais, il saute là. Mettons, il saute là. Là. Mets la liste. En tout petit. Vraiment petit pour que la personne ne puisse pas plus lire. C'est une bonne idée. Mais on va être là. Saint-Colomban, c'est un show qui est gratuit. Oui. Et à l'extérieur et pour tous les âges. Ça veut dire que si t'as une famille puis que personne ne peut jamais venir nous voir parce que tout le temps dans des bars, là tu peux. Ouais. Pis c'est gratuit. Il te reste plus d'argent pour acheter de la merch. C'est vrai. On va apporter de la merch de More Women on Stage. On va apporter de la merch de Rouge Pompier. Puis on va apporter des casquettes de Chip 100.9. Chip 100.9. Ouais, on avait vu des chandails aussi, je pense. Ça, c'est une commandite qu'on a reçue de Chip. 101.9. Fait qu'on avait joué à l'anti, je pense. Tu veux ça? Chip. Regarde ça. Hey, la gang. Hey! Elle est jeune. Chenley! Fait que ça, c'est les deux shows du mois d'août qui s'en vient. C'est deux samedis. Prends off. Même si c'est samedi. Et il te reste encore un peu de temps pour aller sur notre Patreon, t'inscrire ce mois-ci parce que on va t'envoyer des copies physiques. T'en as-tu? J'ai pas ça, mais je vais te montrer à peu près de quoi ça avait de l'air. Ça, mettons, c'est une copie physique du CD de Neve Campbell qui venait avec le vinyle ou le Deluxe. Quand t'achetais le Deluxe Neve Campbell, tu recevais une pochette comme ça. Ben, Re-Neve Campbell va être imprimé en édition très très limitée pour les gens qui sont abonnés au Patreon.
Et tu ressors ça gratuitement si tu es abonné ce mois-ci au Patreon à l'option 10$ et plus. Ouais. Si jamais, on va-tu en vendre dans les shows ou ça va juste être Patreon? C'est ça. Ou ceux qui ont acheté un Deluxe à l'époque de ouais. Neve Campbell vont recevoir ça aussi gratuitement. Nice. Non disponible en vente sur Internet ou en show ou rien. Seulement sur Patreon exclusif. J'aimerais ça voir ça sur eBay, genre. Ouais, genre 10 COG, une copie. Ouais. À Mint. Puis c'est ça. Fait que c'est ça les nouvelles. C'est ça. Il va y avoir d'autres shows à annoncer là pour le mois de septembre. Mais là, cette annonce-là, c'était pour ça. Puis on est en train de préparer quelque chose pour le 10e anniversaire de Kevin Bacon. Mm-hmm. Donc, on vous en dit pas plus. C'est tout en préparation en ça là. Tu sais, quand tu fais une sauce à spag, là, ouais. On a mis les ingrédients. C'est ça, on attend. On a parti ça à feu doux. Puis c'est pas prêt encore. Il y a encore un peu d'eau. Ouais. Faut que ça réduise encore un peu. C'est ça. Fait que c'est ça qui s'en vient. Merci beaucoup tout le monde d'avoir célébré au moins la date. Là. Ça, c'est vraiment le fun. Là. Comme j'ai vu toutes vos réactions, j'ai lu vos commentaires. Vraiment, on est chanceux de vous avoir. Ouais. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Bonne fin d'été. Bye.